comme le résultat d'une enquête complète et en bonne et due forme, menée par le procureur, conformément à l'article 54.1A du statut. Et demander au procureur de fournir à la Chambre une liste conséquente d'éléments manquants. En clair, la Chambre préliminaire demande au procureur de revoir sa copie et de refaire le travail, sous peine que les charges puissent être confirmées. Où sont tous ces éléments dans le mémoire préliminaire? Nulle part. Ces manquements sont bien plus qu'une violation préoccupante du statut. Ils symbolisent toute l'approche du procureur dans le présent dossier. La réalité, et j'en termine là, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, c'est que depuis 4 ans maintenant, le procureur a adopté une certaine vision de la Côte d'Ivoire. Une certaine vision de la crise post-électorale. Une certaine vision du rôle de Laurent Gbagbo, dont il est incapable de se départir, quels que soient les faits contraires. À ce niveau, nous sortons du domaine du droit pour entrer dans celui de la croyance, qui n'a pas sa place dans notre histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Jacob. Alors, je vais...